Elle s'appelle Christine Berrou et elle a récemment rejoint l'équipe de Télématin. Après une vague de départs sans précédent, le programme mise sur une nouvelle formule et de nouvelles têtes pour sa rentrée 2021. Ainsi, Thomas Soto et Julia Vignali présentent l'émission du lundi au jeudi, avant de céder leur place à Maya Loquet et Damien Thévenot le vendredi, samedi et dimanche. Entourés de leurs chroniqueurs, ils peuvent compter sur Christine Berrou pour égayer l'atmosphère en plateau. Et pour cause, la nouvelle chroniqueuse de l'émission matinale est une humoriste expérimentée. Cette jeune bretonne de 39 ans, mère d'une petite fille qu'elle affiche fièrement sur son compte Instagram suivi par plus de 8000 abonnés, est une pro du stand-up, révélée au grand public en 2012 lorsqu'elle a rejoint la troupe du Jamel Comedy Club. Membre du Conas Comedy Club, aux côtés de Nadia Rowe, Anne-Sophie Girard et Bérangère Criff, elle a aussi fait partie du Panama Café. La scène n'est pas son unique terrain de jeu cependant puisque, avant de se faire une place dans les locaux de France Télévisions, la station de Radio Europe 1 lui a donné une chance, à la tête d'une chronique dans l'émission Ça fait du bien, présentée par Anne Roumanoff. Elle a même pu travailler aux côtés de Nico Aliagas dans Sortez du cadre. RTL lui a d'ailleurs ouvert ses portes le temps de toute une saison. Elle a cependant fait ses armes sur les ondes de la matinale du Move dès 2010. Outre France 2, Christine Berrou est aussi dans l'émission Piquante, diffusée sur Teva. Elle est également l'auteur de plusieurs ouvrages. Son prochain livre est même attendu en librairie à la fin du mois de septembre 2021. Une rentrée sur les chapeaux de roue pour le nouveau visage de Télématin. Christine Berrou, une femme engagée et ce n'est pas tout. En 2014, Christine Berrou a même prêté sa voix au personnage de Tombi dans le film d'animation Kumba. Si est-il donc sans surprise qu'elle a intégré l'équipe de Télématin dès le 24 août 2021. Femme d'humour et d'engagement, elle défend aussi le droit des animaux et lutte contre la cruauté qui leur est parfois réservée. Un engagement farouche concrétisé en septembre 2017, lorsqu'elle a participé à la campagne de l'association L214 dénonçant le traitement des poulets dans les élevages doux, ainsi que par son style de vie. Elle dit être végane.